J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va parler de top modèle. Donc je vais essayer de parler vite pour que cette vidéo ne soit qu'une et que je puisse vous montrer tout. Voilà, ce sera mes affaires top modèle. Donc c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, donc cette vidéo sera mieux, je pense, que la première, parce que la première c'était au tout début de ma chaîne, donc j'avais pas le même matériel, donc vraiment c'était, on faisait avec les moyens du bord. Et il y a des trucs que vous allez retrouver, d'autres trucs un peu nouveaux, des trucs voilà. Mais normalement si vous me suivez, vous savez tous les cahiers que j'ai, mais j'ai voulu faire une vidéo globale pour vous montrer vraiment tout ce que j'avais. Donc c'est parti. Le nom des cahiers top modèles et dans l'ordre où ils ont été présentés seront dans la barre d'infos. On va commencer avec le top modèle pocket. Donc sa particularité c'est que les gouttes changent de place quand on le tourne, voilà. Et aussi que par exemple, attendez, je vais trouver. Là elle a la main, voilà, elle a les mains vers ses cuisses. Là aussi. Mais là elle a les mains vers les cheveux, donc là. Ensuite un truc très bien par contre c'est qu'il y a marqué Designbee et là on peut mettre notre prénom et la date. Donc ça c'est vraiment bien la date parce que moi mes dernières créations elles sont datées mais les premières pas du tout. Ensuite il y a des stickers à la fin, donc moi les stickers ça sert à rien mais bon parfois c'est pratique pour certaines personnes. Donc voilà, donc lui il est très bien parce qu'il est petit et facile à emporter par la même occasion. Le manga modèle, donc voilà, donc là il y a les stickers comme d'habitude. Donc voilà, donc il y a des personnages à colorier et il y a des personnages à dessiner. Seul point négatif, donc c'est le carnet qui est extrêmement bien car il est comme l'autre petit et facile à transporter pour les fans de manga. C'est qu'il y a des traits à ce niveau là et pour faire des trucs dans le style jupe. Ça marche pas trop. Sinon il est vachement bien, je vous recommande car en plus il y a des trucs à dessiner. Voilà, donc ça c'est bien. Toujours chez les mangas modèles, nous avons le Dress My Up. Donc je vous avais déjà présenté un Dress My Up il me semble, mais c'était pas un manga modèle. Donc là nous avons des autocollants. Donc ça c'est mon identifiant sur Google. Donc en fait le concept c'est de faire d'habiller des madames avec des autocollants. Donc à la fin vous avez les différentes plaques d'autocollants. Donc là tout de suite vous allez vous dire mais il n'y a pas assez d'autocollants. Si, il y a assez d'autocollants pour les trucs. Dans l'ancien il y en avait même trop des autocollants. Donc je sais pas si on aura, enfin je pense qu'il y en aura assez quand même. Comme d'habitude. Ce carnet il est bien car on peut faire ça en voiture, dans les transports en commun et tout parce que ça nécessite pas de colorier, donc ça peut bouger. Pour coller deux autocollants c'est pas très compliqué. Ensuite on a le top modèle Shoes Designer. Donc moi il ne m'a pas été vendu avec le petit stylet, donc de toute façon ça fait rien vu que je me sers pas des trucs. Et inversement, parce que vu que j'ai pas de stylet je me sers pas des trucs, mais je penserais pas que je m'en servirais. Je m'en sers pas. Donc il y a plusieurs styles. Donc il y a des bottes. Il y a des bottes, il y a des ballerines, il y a des talons. Voilà. Donc pour la variété des chaussures, c'est un peu comme le t-shirt designer. C'est, il est recommandé pour ceux qui n'arrivent pas à dessiner les chaussures. Donc moi, pour les faire en plus gros avant et pour les redessiner en plus petit, pour faire des essais de modèles ou des trucs dans ce genre. Donc il est pas mal. Le hand designer, donc là j'aime bien déjà la couverture vu que ça s'enlève, voilà. Après donc c'est des ongles à faire, je pense que vous aurez compris d'après la couverture, hein, on va pas se mentir. Il y a des grands trucs comme ça là à dessiner. Il y a des mains comme ça, je vous ai montré pas tout le style je crois. Là. Et il y a des autocollants à la fin, donc il y a des bracelets, des bagues et des petits stickers pour coller dessus. Voilà, donc lui c'est un peu comme le shoes designer et le hand. C'est un peu pareil, sauf que moi je m'amuse pas à faire des dessins sur des ongles tout petits. C'est même des fois, elles ont aucun ongle coloré. Les miennes, elles sont voilà, comme ça, comme moi. Pas de vernis. Donc voilà, donc après pour ceux qui aiment bien dessiner des ongles ou se faire les ongles,
il est recommandé, mais pour ceux qui font comme moi, qui ne colorient pas évidemment les trucs et qui, je vais y arriver, et qui ne s'en mettent pas, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, dans le top, le création top modèle, donc lui, il me semble que je voulais conseiller dans 10 astuces pour bien commencer les top modèles ou un truc du genre. Déjà parce qu'il y a 2 top modèles. Voilà, donc 2 top modèles au lieu d'une, c'est pas mal. On peut mettre le titre aussi. Donc voilà, et dernier point bonus, il y a un dépliant maintenant dans les nouveaux livres pour dessiner des trucs. Donc là, un pantalon, et là, un haut avec la veste. Donc voilà, donc lui, je vous le recommande pour commencer. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je me répète. Donc voilà, donc lui, je l'aime beaucoup. J'ai commencé avec ce carnet. Top Model Around the World. Donc excusez-moi si je parle très mal anglais. Voilà. Donc là, il y a des stickers dans la petite pochette. Mais moi, j'en ai perdu. Mais bon, j'ai perdu une plaque, il me semble. Voilà, donc vous allez dire bonjour à la caméra. Si j'arrive à la choper, la caméra. Je vois absolument qu'elle est là. Voilà, je vais y arriver. Coucou. Donc, point fort de ce carnet, ce sont les intercalaires avec les différents trucs du monde. Donc, nous avons l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Inde, la Russie ou les pays nordiques, et la Chine ou le Japon. Donc, voilà. Si vous voulez regarder, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc c'est les mêmes madames 10 fois, je crois, 8 ou non, 8 fois, je crois. Donc voilà, donc il y a encore des intercalaires à la fin. Donc ça, c'est plus pour faire les tenues traditionnelles qu'il y avait avant. Parce que de toute façon, maintenant, on s'habille tous pareil. Donc je vois pas trop l'intérêt de dessiner la même tenue à une américaine qu'à une indienne. Ensuite, le manga modèle. Donc celui-là, c'est le grand, donc je l'aime beaucoup. Donc on retrouve toujours les stickers. Et là, il y a un genre de dépliant, mais ça, c'est pour montrer des exemples. Donc, vous regardez pas cette merde. Moi, j'ai un souci pour faire les mangas. J'y arrive pas à faire des trucs un peu bizarroïdes dans ce style-là. Donc, pour moi, j'aime beaucoup les mangas, mais j'y arrive pas à dessiner. Donc, il va falloir que je m'y remette, là. Je suis en train de réaliser. Et il est bien, c'est parce qu'il y a aussi des trucs à dessiner, comme dans le petit manga. Voilà, donc à la base, je voulais lui et pas le petit manga. Parce que c'est plus simple de faire des détails quand c'est grand que quand c'est petit, évidemment. Donc voilà, donc pour les fans de manga, il est à recommander parce qu'on peut faire plein de détails. Essaye d'aller assez vite dans les carnets pour pas que la vidéo dure trop longtemps, que vous puissiez regarder sans vous l'enlacer. Donc là, nous avons des stickers, voilà, des plumes, il y a des plumes en plus dans celui-là. Voilà, donc il y a des modèles là. Et derrière, il y a encore des guides. Donc ça, c'est une nouvelle spécialité de Top Model. Ils aiment bien faire ça. Donc voilà. Donc c'est... j'ai oublié de vous le dire le nom. C'est le Fantasy Princess. Excusez-moi. Donc il y a des plumes aussi là, en haut. Donc... voilà. Je sais pas si vous avez vu ça bien. À la fin, il y a des autocollants. Donc là, vous sentez absolument rien parce que vous êtes derrière un écran. C'est des paillettes là en relief, là les paillettes sont en relief, et là c'est un effet tissu, donc vous entendez je pense au bruit. Voilà, voilà, il est bien. Moi j'essaye de faire toutes les princesses Disney. Voilà, donc je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup et que j'aurais peut-être pas assez de pages pour tous les faire. Ça, c'est mon problème. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc je vous la fais en 2 parties parce que sinon ça va être hyper long. Et j'ai déjà essayé de l'envoyer et c'est grave la galère, j'y arrive pas. Donc je sais pas pourquoi, s'il faut que je refasse des trucs sur mon compte Google ou pas. Donc j'arrête cette vidéo là.